Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve pour une toute petite vidéo haul. Dans ce haul, je vais te parler de mes achats faits à Claire's. J'ai acheté 3 objets. Et aussi mes achats faits à Action. Pourquoi je te fais juste une petite vidéo? Tout simplement parce que là, je me suis rendu compte en filmant que ça prenait quand même presque 10 minutes. Et que je sais que je vais faire des achats samedi prochain pour moi. Alors le jour où je filme, là on est mardi 23, j'ai fait ces achats, donc Action et Claire's, lundi 22. Et je sais que samedi, je vais faire sûrement pas mal d'achats. Et je ne voudrais pas que la vidéo non plus dure une éternité, ce n'est pas mon but. Donc je me suis dit que ça te ferait une petite vidéo en plus, et donc on se retrouvera très rapidement pour mes achats du coup fait samedi. Donc je te laisse continuer la vidéo si la suite t'intéresse. Donc à Claire's, j'ai acheté ces nouveaux gants que j'ai justement, que tu as pu voir dans l'intro, voilà. C'est vraiment vendu en tant que pack comme ça ensemble, donc je trouvais ça trop mignon, en plus ça faisait arc-en-ciel, donc drapeau LGBT ou juste arc-en-ciel tout court, je trouvais ça plutôt cool. C'était un peu pastel, donc c'est pas mal parce que j'essaie de mettre vêtements un peu pastel. En même temps, c'est aussi multicolore, donc ça va par exemple avec ce t-shirt que j'use à fond parce que quand j'ai besoin de multicolore, je prends celui-là. C'est un t-shirt où il y a écrit Barcelone, hein, au cas où, et que j'ai acheté à Barcelone. Donc voilà. Ensuite, à Claire's, j'y suis allée principalement pour m'acheter ceci. Voilà. Et donc j'en ai pris un autre, enfin j'ai pris surtout ce modèle là parce que Claire's en fait il faisait le truc 3 acheter 3 offert, donc moi au départ je comptais acheter juste ça, et puis la vendeuse m'a dit mais tu sais tu peux avoir 3 objets en plus si tu veux, donc j'ai fait la razzia, j'ai pris celui-ci parce que l'autre il n'y en avait plus, et que j'aime bien moi le format en fait, je sais pas si tu verras, mais où le bout est plat, ici c'est plat, je vais te montrer sur mon téléphone. Donc tu as ce modèle là par exemple que j'ai acheté plusieurs fois qui, tu vois, là ici c'est plat. Et sur mon ancien téléphone, je n'avais pas fait gaffe quand j'en ai racheté un. Celui-ci par exemple, l'embout est tout rond. Et donc en fait c'est pas pratique par exemple pour l'appuyer, c'est sur une table ou quoi que ce soit. Donc j'ai pris les deux et donc j'ai fait un stock monumental de ça. Mais en même temps sur l'ancien téléphone que j'ai, alors oui au passage je viens de changer de téléphone, ça c'était le S7, donc il avait plus de 3 ans et je suis passée au S20. Même si tu peux te dire ouais c'est débile t'en as acheté 5, oui mais en même temps celui-ci déjà faut que je change, donc ça m'en reste plus que 4. Comme ça tient à peu près 6-8 mois ces bestioles, c'est pas plus mal d'en avoir d'avance, surtout qu'avec le confinement déjà j'étais contente d'en avoir un d'avance, donc je préfère être tranquille. Donc on va passer maintenant à mes achats faits à Action, et on va commencer par le rayon enfant. Il faut savoir que pour ces 4 objets là, je n'ai pas acheté ça comme ça, je collectionne ces objets. Voilà, et donc du coup j'en ai quand même plutôt pas mal maintenant pour ma collection. Et je te mets en barre d'infos le lien de ma vidéo sur les collections d'Ibi. Je crois que j'en ai fait 2 vidéos là-dessus sur ma collection et j'en ai acheté d'autres depuis. Donc j'ai acheté en fait les Peps avec donc les Reines des Neiges, donc Elsa et Anna. Et on a les deux autres personnages principaux avec Olaf. J'ai trouvé trop mignon Olaf. Voilà. Donc voilà, donc ça je suis très contente parce que ça a fait agrandir ma collection. Donc oui, il faut savoir que je collectionne ces bestioles quand c'est des licences que j'apprécie. Voilà. Donc par exemple Astérix où j'en ai rien à foutre, je collectionne pas. Mais par exemple Reine des Neiges qui est du Disney, je collectionne. Ensuite, on va passer au rayon salle de bain parce que ça va être très vite expédié. J'ai juste racheté mes lingettes démaquillantes. J'ai pris le pack. Voilà, parce que comme ça je suis tranquille. Parce que moi je le sens pas là le... Je sens la deuxième vague, moi, très clairement. Ensuite, du coup, je me suis acheté, j'étais très content, c'est un câble pour téléphone, tu vas me dire, ouais, ça n'a rien de très intéressant. Si, parce que j'aime bien ceux de Action, parce que j'en ai déjà racheté un pour mon téléphone d'avance dans un espace culturel Leclerc, et les câbles sont très très courts. Là, ce que j'aime, c'est qu'ils font 2 mètres. Et honnêtement, quand tu es dans un scénic, par exemple, parce que moi, mon papa, il a un scénic, qu'on part quelque part, à 3, et ben tu es bien content de pouvoir brancher ton téléphone à la prise USB, la porte allume-cigare au tout début de la bagnole, et d'avoir ton téléphone quand même avec toi à l'arrière. Donc ça, c'est cool. Ou alors quand tu fais des TikTok, et voilà, tout est à l'autre bout. Enfin, voilà, c'est pratique. Donc j'étais content, j'étais joie. Ensuite, on va passer vraiment au rayon vite fait papeterie parce que là aussi, hein, j'ai à chaque fois acheté un ou deux trucs. J'ai pris ceci, j'étais trop content.
Donc ça, tu m'as déjà vu en acheter des tonnes. C'est des pages comme ça, en fait. Voilà, t'as... Donc là, c'est les points blancs. T'as, du coup, comme ça. T'en as à chaque fois, je crois... T'en as 4x8. Donc, il y a 8 illustrations, je pense. C'était à 4x à chaque fois. Voilà. Donc là, t'as les donuts. T'as des rayures. T'as ça. Voilà. Ah oui, ça, j'ai bien aimé cette illustration-là. Vert. Et voilà. En fait, t'as toutes les illustrations-là. Je sais pas pourquoi je me suis cassé le cul à te les montrer. Mais bon, au moins tu vois. Je me suis dit que ça pouvait être cool, ce grand format-là, pour faire des cartes entières. Parce que là, honnêtement, je te le dis, parce que t'es sur Ibi World et donc c'est plus sur Ibi Otaku, j'en ai parlé. Mais donc j'ai créé une page Utip où des gens peuvent regarder des pubs, principalement c'est ce que je demande, et faire des dons. J'ai eu 4 personnes qui m'ont fait des dons, alors il y en a une, elle est au Canada, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais sinon, j'ai décidé du coup d'écrire une carte pour remercier chaque personne du coup qui me fait un don. Donc je voulais avoir un truc très très joli. Et aussi, je vais faire une surprise à certains abonnés, donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Voilà, j'en dis pas plus. Donc maintenant, on termine avec le côté déco. J'ai acheté 2 trucs. Toujours est-il, oui, j'ai acheté 2 trucs. Le premier, à savoir que je ne vais absolument pas l'utiliser en objet déco, mais plus en objet photo. Mais je, voilà, c'est ceci. C'est censé être un set de table. Je sais même pas ce que c'est, set de table. Voilà, c'est juste marqué set de table. Je n'ai même pas la... Voilà, je te montre un peu plus près, peut-être que tu arriveras à voir à peu près quel genre de truc c'est. Ça, c'est quelque chose que je voulais depuis un petit moment pour tout ce qui est produits naturels, etc. D'avoir ça en fait en fond, je me disais que ça pouvait être plutôt pas mal. Voilà. Et pour terminer, je sais, je suis influençable, mais alors puissance 2000, j'ai acheté ça. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore... Et ça, il serait peut-être temps de le savoir. Je suis sur TikTok et masse de gens utilisent ça pour leur TikTok. Je trouve ça tellement des fois stylé de pouvoir changer la lumière par rapport au thème de ton TikTok. Et aussi, il faut savoir que ma chambre, au niveau éclairage, c'est la merde totale. Et que depuis le confinement, je me suis mis principalement à lire dans ma chambre. Et en fait, le côté où il y a mon lit, eh ben, c'est la zone la moins éclairée. Donc, je me suis dit que peut-être ça pourrait faire un petit peu de lumière et donc être plus agréable quand je lis. Voilà, voilà. Je suis très influençable. Maintenant, il va falloir que je négocie avec ma mère et mon père pour qu'ils me l'installent parce que je suis une catastrophe et je le sens absolument pas. Voilà. Donc, 90 lettres pour 3 mètres, c'est adhésif et c'est garanti. Ah non, ouais. Enfin, garanti, non, on s'en fout un petit peu. Cette vidéo achat, Claire's et Action est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire quels sont tes derniers achats, du coup, faits à Action. Et n'hésite pas à me dire si je suis un gros pigeon. Voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye!